et ça pose quand même, la question. Hein. Alors bien sûr, il y a toujours Steve Mans. Mais c'est vrai que sans Robbie McEwen, ça change complètement la donne. Et on n'aurait pas pour du les crédit, habitants de moto. On n'aurait pas du Crédit Agricole là devant. Et Jimmy Engoulevent. Eh oui. Jimmy Engoulevent qui semble lui aussi très facile. Alors. Ah, les grands de David Amon Lotto, Van Sommeren. Presque 2 mètres. Et les chocolats Jacques pour Nico Écoute. Et les skills encore. Et bien présent sur cette fin de course. Et attention à Martine Chalinghi. Et nous sommes à moins de 6 km de l'arrivée. Martine Chalinghi, l'une des révélations de la saison. On ne voit plus non plus en tête de peloton les Rabobank, mais qui ont énormément travaillé sur les 90 derniers kilomètres pour revenir sur le groupe de 10 qui sont un petit peu absents. À 5 km 700 de l'arrivée, c'est maintenant la bagarre des sprinteurs. Et les Crédits Agricoles sont en train de préparer le terrain pour William Bonnet avec Jimmy Engoulevent. Jimmy Engoulevent a pris un relais appuyé. Personne ne semble vouloir prendre sa roue. Que faut-il faire à ce moment-là, Cyril? Allez, on continue. Voilà, il ne faut plus qu'il se pose de questions, c'est trop tard. Il fallait qu'il se la pose avant. Une fois qu'il est sorti, il est sorti. Oh là là, des problèmes. Et c'est important, c'est pour Roy St. James. Roy St. James, l'un des deux sprinteurs de l'équipe Rabobank, qui à 5 km 400 de l'arrivée est victime d'un ennui technique ou mécanique. On n'a pas vu exactement ce dont il s'agissait. Jimmy Engoulevent fait l'effort. Je vous rappelle les sprinteurs. Bonnen et Pozzato et Kiki pour Quickstep. McEwen et Stigmans pour David Amon Lotto. Brown maintenant seul pour Rabobank. Roberts pour les CSC. Zanotti pour Unibet avec peut-être Cook et Hunt, on ne sait jamais, mais Van der Skuren, le directeur sportif, nous a dit Zanotti. Pour le Crédit Agricole, William Bonnet, Degano pour Barlow World, Griot pour Céramique, Écoute pour Chocolat Jacques. Allez, Jimmy Engoulevent, un coureur qui apprécie particulièrement Paris-Roubaix, c'est un coureur capable de frotter un flahut. Oui, mais là, ça ne sert plus à rien, là, maintenant. Il reste devant. Hein. Ouais, il fait un bel effort, mais... Troisième du Tour de Picardie cette année. Pour l'instant, la poursuite est telle que son attaque sera vouée à l'échec. Il lui manque une victoire probante hein, chez les professionnels, Jimmy Engoulevent. Alors, l'année dernière, par exemple, il s'est beaucoup sacrifié pour Jimmy Casper. Il travaillait dans l'équipe Cofidis. Voilà, ça y est, il est repris. Et donc... Nous allons voir ce que nous allons voir, les chocolats Jacques. Frédéric Wöchlen. Nico Écoute, bien placé également. Leur leader. Serge Baillet toujours là en embuscade. À moins de 4 km de l'arrivée maintenant. Et nous arrivons donc à Bruxelles. Sergueï Laboutine, bien placé, le champion d'Ouzbékistan. Pour l'équipe Navigators. Enrico Degano également pour le team Barlow World. Et il faudra se méfier d'Enrico Degano. Enfin bon, quand on a Bonnen, ça relativise hein, bien sûr. Degano qui a plusieurs victoires cette année, notamment les étapes sur le Grand Prix Corrieros et sur le Tour Alentejo. Baguet toujours, très 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 présent sur ce final. Bon, Tom Bonnen bien placé dans les premières positions. Pour l'instant, nous n'apercevons pas McEwen dans les parages. Mais vous savez que McEwen a l'art d'être pratiquement invisible dans les derniers kilomètres. Il est pratiquement toujours dans la boîte. Et il vient le plus tard possible dans la fournaise. Et en plus, comme il s'est très bien frotté, dans la fournaise.
Alors le final de ce Paris-Bruxelles dans les rues de Bruxelles avec bien sûr les arbres. Et là, pour nos amis de la télévision belge, la seule solution pour vous proposer des images, ce sont ces plans d'hélicoptère, les motos décrochent. Nous allons donc avoir le suspense sur le final. Toujours les quick steps au travail. Il y a du Unibet également. Oui, on les avait presque oubliés. Il y a toujours Baden-Cook. Hein. Oui, Baden-Cook et Zanotti. Pour l'équipe Aqua et Sapone, et également Gabriele Balducci. On l'a pas dit, il y a Andrus Haug aussi. Ancien vainqueur du Grand Prix de Rennes également, si je ne m'abuse. Ils ont quand même pas tous gagné le Grand Prix de Rennes. Il n'y en a qu'un par an. Hein. Ben oui, mais... Oui, je vous le confirme, en 2004. Finalement, le Grand Prix de Rennes est la répétition de Paris-Bruxelles. Ou le contraire. Ou l'inverse. Les deux derniers kilomètres. En septième position, nous avons le champion du monde. Champion du monde qui est souvent très très proche des hommes de tête, qui hésite un petit peu à venir prendre un peu plus d'abri à l'arrière. Sur le Tour de France, ça lui a coûté quelques déboires, puisqu'il s'est souvent retrouvé trop tôt en tête. Alors que là, si vous voyez McEwen, vous me le dites. Oui, j'ai l'impression que McEwen n'est pas là. Hein. En revanche, il y a Stefano Zanini, Paris-Des-Griot. Eh bien, si, il est dans le coin, je me semble l'avoir aperçu. Il faut vraiment regarder très vite. Hein. Enfin, je baissais la tête à ce moment-là, je ne peux pas vous le confirmer. Graham Brown est là pour Rabobank. Alors que nous allons bientôt passer sous la flamme rouge. Et vous avez vu Igor Astarloa, l'ancien champion du monde pour l'équipe Barlow World. Il avait fait une place, lui, d'ailleurs, sur Paris-Bruxelles l'année dernière. Il avait fait 5e, Igor Astarloa. C'est lui qui est en tête là pour l'instant. Et tout de suite relance de Filippo Pozzato pour l'équipe Quickstep. McEwen est là. Ouais, 3e position. Et oui, il est dans les derniers kilomètres à la flamme rouge. Hop, il vient retomber dans la roue du champion du monde. J'ai quand même sacré liste de poissons pilotes possibles pour Tom Bonnen. Hein. Pozzato, De Jong et Kiki. Il est déjà en 3e position, Frédéric. Il est déjà en 3e position avec McEwen dans son sillage. Je ne pense pas que ce soit McEwen, j'ai vu Graham Brown, moi, de Rabobank. Ah non, oui. Enfin, non, oui. Non, compris, quoi. Hein. Brown est dans la roue de McEwen. Voilà, Brown est dans la roue de McEwen, les Australiens dans la roue de Tom Bonnen. Et nous arrivons sur la grande ligne droite d'arrivée. Ça va être un peu juste quand même pour les équipiers de Tom Bonnen. Astarloa s'est relevé. Et maintenant, Tom Bonnen va être emmené. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une cassure, là ? Il y a une petite cassure, mais c'est traditionnel ici. Et Tom Bonnen va devoir maintenant lancer le sprint alors que Steven De Jong lui a lancé. Voilà, ça y est, Tom Bonnen avec Robbie McEwen. Ça va se jouer entre les deux. Et bien voilà, c'est soit Robbie McEwen qui se succède à lui-même sur le champion du monde, Tom Bonnen, qui vient de remporter 3 étapes sur le Tour du Benelux. Et c'est Robbie McEwen qui bat Tom Bonnen. Merci le réalisateur qui nous saute l'image à ce moment-là. Donc, ben voilà, et pour après, on va revoir au ralenti parce qu'on ne sait pas qui est 3e et 4e. Donc, Robbie McEwen a battu. Navigateur, peut-être, non ? Maillot bleu. Peut-être Lagoutine, oui. Peut-être Lagoutine. Barlower, peut-être. Ouais. Alors, vous l'aviez vu, Cyril, Tom Bonnen lâché trop tôt. Ben, bien sûr, lâché trop tôt. Lâcher trop tôt, surtout en plus quand vous avez un sauteur dans la roue. Là, vous pouvez battre McEwen, mais Tom Bonnen peut battre McEwen que dans la mesure où on lâche à moins de 150 mètres de la ligne. Et encore, et en plus, lorsque ça monte, McEwen est encore plus dangereux. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une cassure, là, ça a dû s'accrocher un petit peu derrière. Je crois que c'est le Lucas Zanini qui s'est complètement plus de sprint. Il n'y a plus de sprint. Ouais. Il n'y a plus de sprint. Eh bien oui. McEwen devant Tom Bonnen. Il n'y en a toujours pas eu d'image du troisième. Voilà. Donc ça fait 3 fois. Hein. Robbie McEwen. Alors, il s'était imposé l'année dernière et il avait également remporté l'épreuve en 2002. C'est la 3e fois que Robbie McEwen remporte ce Paris-Bruxelles. Sur ce plan, nous allons voir sans doute un peu mieux ce qu'il s'est passé.
cassure, c'est déjà fini. La cassure, c'est fait avant. Alors, on a Zanotti qui vient faire une place pour l'équipe Unibet.com. Donc, sprint très facile pour Robbie McEwen, vraiment aucune difficulté. On l'a vu venir à 1,5 km de l'arrivée, venir se replacer dans la roue de Tom Bonnen. Tom Bonnen s'est retrouvé quand même isolé relativement tôt, alors que ses équipiers n'avaient pas énormément travaillé, enfin pratiquement pas, n'avaient pas travaillé du tout, sauf dans les derniers kilomètres. Là, il manquait effectivement, il manquait un homme pour l'emmener un tout petit peu plus loin, surtout lorsqu'on a un type de la qualité de McEwen. On ne peut pas se permettre de sortir aux 200 mètres. Si on sort aux 200 mètres, on est bâti, archibâti, c'est fini. Hein. C'est quand même une défaite vexante, je trouve, pour les Quick Step, parce qu'ils ont attaqué sur le final, ils ont roulé. Pendant ce temps-là, les David Amonlotto se contentaient de placer Robbie McEwen. Et puis, ils emmènent comme ils veulent Tom Bonnen. Ils se relèvent trop tôt. Bonnen est battu. C'est pas qu'il se relève, c'est qu'il coince trop tôt. Parce que le coureur, lorsqu'il emmène dans le dernier kilomètre, il emmène jusqu'au bout. Et quand il n'a plus d'essence, il s'écarte. Et le problème, c'est que quelquefois, et là, deux hommes au kilomètre, c'est vraiment trop juste. C'est vraiment trop juste pour aller là-bas. Robbie proficiat met overwinning. Alors donc Robbie McEwen en flamand évidemment est là pour proficiat, on a compris. Je sais pas si on peut renvoyer en régie à Paris le sprint. Voilà, ça y est. Et donc De Jong invisiblement qui lance Tom Bonnen. Vous dites qu'il coince, hein, Cyril, hein, c'est ça hein, l'idée. Hein. Ouais, il y a Gorik Garden qui vient faire une place. Et Zanotti, donc ça doit faire 4 Zanotti et peut-être 5 écoutes, ça dépend, enfin, ça se joue à peu de choses. Voilà, j'aurais aimé avoir le résultat un petit peu plus tôt. Et je pense que le troisième, là, le maillot bleu, c'est une grosse cote ce maillot, je pense que c'est celui de l'équipe Profel Ziegler. Et donc comme c'est la première fois vraiment qu'on voit cette équipe sur une course, impossible de dire qui est ce troisième. Mais en tout cas il fait une grosse perf parce que derrière McEwen et Bonnen, c'est référence hein. C'est une référence, s'il était devant ce serait vraiment une très grosse référence. Mais il y avait un Rabobank qui a littéralement éclaté dans la roue, puisque la cassure s'est faite sur le Rabobank qui était dans la roue de McEwen. Donc là, on va avoir peut-être plus de précision. Donc voilà, vous avez bien sûr McEwen. Peu de temps après arrive le numéro 1. Le 1 et le 3ème. Et le 3ème, eh bien, c'est l'Atrium, c'est ça ? L'Atrium. De Bruxelles. Là, c'est le troisième. Une fois le record du monde égalé, le record qu'il avait battu.